Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, on vous amène chasser l'oie des neiges grâce à notre collaborateur, M. Mathieu Dancause, qui fait une chasse véritablement inédite. Vincent Cloutier est avec nous aujourd'hui pour nous parler justement des genres de bavettes que l'on peut ajuster sur nos poissons nageurs. Et je vous entretiens sur quelques ajustements à faire sur notre fusil en vue d'avoir une chasse fructueuse. Quand j'étais en studio comme ça, puis que je vois arriver mon technicien professionnel, Vincent, avec ses coffres à pêche et ses leurres, oh, ça, c'est des sections de l'émission que j'aime particulièrement, parce que je vais apprendre quelque chose de différent. Salut, Vincent. Salut, Sylvain. Les fameux poissons nageurs, hein, à l'époque, on appelait ça des rapalas, parce qu'il y a quasiment juste une compagnie, mais là, maintenant, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a vraiment eu un engouement ces dernières années, puis tu me corriges si j'ai tort. Lorsque le gouvernement a arrêté, par exemple, l'utilisation des vrais poissons fourrage pour la pêche, on n'a plus le droit de pêcher au méné, autant mort que vivant, à part l'hiver, sur quelques exceptions. Je pense que ça a donné une recrudescence de l'utilisation des poissons nageurs pour imiter la proie du poisson qu'on veut pêcher. Puis des couleurs, des longueurs, des profondeurs, il y en a une panoplie. À plus finir. Mais tu veux nous parler d'un accessoire assez standard sur les poissons nageurs qui révolutionne un peu sa façon qu'il a de se déplacer dans l'eau. Oui, parce qu'il y en a des poissons nageurs type... Ah ouais, il est beau lui. Sans bavette, on va l'appeler comme ça, parce que la bavette fait plonger notre poisson nageur. Donc, un poisson nageur comme ça, qui est rigide, non bavette, on va l'appeler de même. Oui, parce que s'il y avait eu une bavette, elle aurait été au niveau de la tête ici, orientée souvent au 45, permettant au poisson de plonger. Lui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il va rester à la surface de l'eau. Donc, un poisson nageur comme ça, si on fait de la traîne puis qu'on l'oublie là, notre poisson va s'en venir en belle ligne droite. Pas d'action. Donc, un type de poisson comme ça, on n'a pas le choix d'y donner un peu d'action pour le faire sur le dessus de l'eau pour montrer comme si c'est un poisson qui est blessé ou... On voit les pêcheurs d'ailleurs donner des coups sur leur canne et changer de direction. C'est souvent avec des poissons nageurs qui sont sans Des poissons qui, style masquinongé à Chigan, qui aiment aller chercher la proie en surface. Il y en a d'autres aussi comme ça. Qui n'ont pas de bavette, on va dire comme le premier, mais vu qu'il y a le nœud, le nez avec un incrusté, ça va faire que l'eau va perler en avant. Un peu comme si ça serait un poisson blessé ou une grenouille qui serait à la surface, qui montrait que on a du sonore puis on a du visuel. Ça aussi, c'est pour des poissons surface, on va dire, plus achigan, masquinongé, mais ce poisson nageur-là, comme celui-là ici, il ne plongera pas, il va être à la surface. Donc, de façon intentionnelle, les compagnies ont véritablement creusé la tête du poisson pour créer des remous, une commotion finalement à la surface de l'eau pour attirer le poisson que l'on vise. Intéressant. Lorsqu'on tombe avec... Toujours pas de bavette. Des poissons à bavette. On avec une petite bavette. Ça, c'est standard. Ça, c'est ce qu'on retrouve. Oui. Des bavettes un petit peu plus grandes. Plus que la bavette est grande. C'est ça qui va faire plonger notre poisson nageur et y donner de l'action. Il y a différents types de bavettes. Des bavettes plus petites. Des bavettes vraiment avec une forme spéciale pour aller chercher de l'action. Là, j'ai de la mémoire. Sylvain, toi aussi, tu as de la mémoire. Mais on ne sait jamais quelle profondeur que notre poisson nageur va aller. C'est fou. Je suis content que tu abordes le sujet, Vincent, parce que tu peux avoir de grandes bavettes, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que se passe-t-il lorsque j'arrête de tirer sur mon poisson nageur? Va-t-il remonter? Va-t-il descendre? Va-t-il rester à la même profondeur? C'est des notions qu'on n'est pas capable de mémoriser ça. Les compagnies ont toujours tendance à mettre les informations sur la boîte. C'est pour ça que dans mon coffre, j'essaye le plus souvent possible de garder les boîtes, mettre mon poisson nageur à l'intérieur. C'est bon.
des fois, c'est pas possible. Ici, il y a eu de la pluie, l'emballage est scellé. Là, c'est là qu'on dit, bon, une petite bavette, ça va aller à peu près à telle profondeur. Donc, une boîte comme, on va dire, ce poisson nongeur, là, ici, le jointé, ouais. J pour jointé, 9 pour la longueur, je suis capable de voir que la profondeur de nage devrait se situer entre 5 et 7 pieds. Okay. Régulier. Plus que je vais aller vite, plus que la bavette, on va dire, va faire la job, puis il va caler en profondeur. Si je vais vraiment tranquillement, notre poisson nongeur, même s'il y a une bavette, il va se tenir un petit peu plus haut. Mm-hmm. Quand je parlais des bavettes pour aller vraiment... Oh, ça, c'est une vraie bavette, ça. Ça, c'est une vraie bavette. Wow. Ça, c'est un poisson nongeur qui va avoir tendance à plonger beaucoup. Plus, on va l'appeler plus souvent pour des poissons comme le doré, que c'est un poisson plus de fond qui va plonger des fois jusqu'à... Il y a des bavettes qu'on peut descendre jusqu'à 10-15 pieds. Ah oui! Sans problème. Ah oui! Mmh. On retrouve pas souvent les bavettes sur des poissons nongeurs souples, parce que là, c'est la queue qui fait l'action, et ils mettent un poids dans la tête. Okay. Souvent, c'est ça pour aller chercher de la profondeur. Et y a-t-il une corrélation, justement, entre le fait que le poisson nongeur est un flottant, ou ce qu'on appelle un suspending, mmh. ou un plongeant, et la forme de la bavette? Pas nécessairement. Mmh. On peut avoir un flottant avec une petite bavette comme ça, ou on va l'appeler un cone dome, que j'aime bien oui, le oui. terme anglais, qui va vraiment plonger vite. Le flottant, si on arrête d'avancer notre poisson nongeur, il va remonter. Il va monter, tandis qu'un suspending va rester entre deux eaux. Okay. Il ne montera pas à surface. Mais je te comprends très bien de garder l'emballage d'origine ouais. pour avoir un minimum d'informations. Parce que les pêcheurs professionnels, ce qu'ils font, c'est qu'ils en ont tellement qu'ils ont un coffre pour leur poisson flottant, un coffre pour leur poisson countdown, un ouais. coffre pour leur poisson plongeant. Mais nous, on n'est pas comme et ça. Et souvent, à telle vitesse, ils savent quelle profondeur ça va descendre, telle vitesse, telle autre profondeur. Donc, toute une gestion. Oui. Bien, on fait du coq à l'âne, on passe de la pêche et on va voir Mathieu Dancause et sa chasse à l'oie blanche qui va passer à l'histoire de votre émission à l'affût. Sont 7 en arrière, bougez pas. Attention, j'écoute. On est à midi. Préparez-vous, ça va sur ce tour-là. Ils vont nous poncer sa cache, les gars. Préparez-vous. Ils sont 5, 6. Un, deux. Well, let's go. Good job, you boys. Hey, direct au-dessus. Prépare-toi, Marc, t'as le droit à un coup de feu. Un. Deux. Ah. Génial. Alors viens, laisse-la revenir là. Donne-moi. Il y a une vingtaine de doigts dans le soleil, baissez-vous. Thank
Ouais, fait qu'un matin, on est arrivé toute la gang vers 4h30 pour faire l'installation des appelants. Un matin, une bonne installation quand même, on s'est mixé deux gangs, à peu près 1200 appelants, majoritairement des sacs. Vu la bonne condition, là, de météo de notre côté, là, un bon vent de l'ouest. Fait que des oiseaux, c'est comme un avion, ça se pose tout le temps le vent d'en face. Donc, on a positionné la cache et les appelants en fonction du vent pour que les oiseaux atterrissent dans un endroit que moi-même j'ai ciblé. Bon, j'essaie de garder un espace assez ouvert pour que les oiseaux s'enlignent dans ce coin-là pour donner de bons tirs aux gars. Il peut avoir 100 chasseurs, il va avoir 110 méthodes. C'est de faire des essais et des erreurs. C'est juste l'important, c'est que si ça marche pas, d'apporter quelques modifications au setup. Ça peut juste être fois, juste une dizaine d'appelants à changer de bord, à changer d'orientation. Ne serait-ce, on ne saura jamais. Mais en gros, faites vos tests, ça devrait porter fruit. On est à 5 heures. Préparez-vous les quatre tout en dessous, là. OK, au-dessus puis en avant. Oui, hiver. À midi, bougez pas. On drette au-dessus de nous autres, ils descendent. Drette au-dessus. Ouais, les 7, c'est ça, c'est les autres que je pote, moi, là. Bougez pas, restez baissés. Bougez pas, au-dessus. 1, 2, 3, let's go! OK, bougez pas. Mec, ils reprennent le vent, les gars. On est à midi, là. Yeah. Oui, ils reviennent à 6 heures. Oh oui, ça va être là, les gars. Ôtez votre safe. OK. Préparez-vous, les gars, ôtez votre safe. À 3 heures. Elle descend à la midi. Elle se replace, elle est à 4 heures, là. Au-dessus de nous autres, les boys. Bougez pas, au-dessus de nous autres. On est à 3 heures. On est à 6 heures. Ah oui, c'est dans le chaudron, ceux-là. Elle s'en vient. Rond 2. On droite au-dessus de nous autres, bougez pas. Oh boy, ça fait encore les feuilles. Prochain tour, messieurs. Là, ils sont 2. On est 7 baptême, hein? 7 On est à 4 heures. À 3 heures. Préparez-vous, ôtez votre safe. Ils vont être au-dessus de nous autres. Préparez-vous. 2, 3, au-dessus, boys. Yes, sir.
Un super matin, des conditions parfaites pour la chasse à l'oie blanche, un beau setup, une belle permission. On a fini ça le tableau avec 31 oies et une bernache. Honnêtement, c'est des super rentrées, des oiseaux super compromis, des bons tireurs ce matin. Ça a été une très belle partie de chasse. Fait que soyez à l'affût. Mois des neiges, Vincent, c'est ce qu'on appelle, tu sais, je disais, ça allait marquer l'émission à l'affût. C'est une des belles chasses qu'on a vues. Oui, j'aimerais ça voir aussi le reportage du nombre d'heures qu'ils ont pris pour arranger tout ça. Oui, mais tu as vu la quantité d'aplats que Mathieu avait mis dans le champ. Il dit dans le reportage, on s'est mis deux équipes, là, ben je comprends. Il y a plus de 1000 aplats dans le champ. Il y a des très belles prises de vue aériennes, d'ailleurs, où que là, moi, j'ai vraiment trippé à regarder ce reportage-là, parce qu'on voit rarement la disposition des aplats vus des airs, un peu comme l'oie le verrait par elle-même. Alors là, moi, j'ai vu ça, c'est donc bien le fun de voir la disposition. Ouais. Ça faisait une forme de 8. Moi, c'est la première chose que j'ai vue. On dirait un 8. Et c'était très réaliste. Et ce que j'ai apprécié, que quand Mathieu a dit le petit détail, ben, il faut laisser de la place aux oiseaux pour se poser. Oui. Donc, on a une concentration d'aplats et on a des espaces qu'il n'y en a pas parce qu'il a pensé que les oiseaux, s'ils veulent se poser, ça leur prend une piste d'atterrissage. Décollage. Ou de décollage. Puis qu'il a fait l'association avec un avion. Hein, comme un avion, ça arrive, ça décolle le vent de face. Mais à un moment donné, il y a eu une petite prise de vue, il était dans sa cache, il était en train d'appeler les oies, et il regardait au ciel, et on voyait son fusil, le canon qui était près de lui. D'ailleurs, je félicite Mathieu pour la façon qu'il a géré ses chasseurs. Et, il dit souvent dans le reportage, « OK, attention, vos sécurités, on enlève les safes pour être prêt à tirer. » Parce qu'il faut rappeler aux gens, jeunes et moins jeunes à la maison, qui sont peu habitués à cette chasse-là, les armes sont chargées, oui, prêtes à faire feu, mais l'arme est toujours sur la sécurité. Et c'est seulement en présence du gibier que le chasseur va enlever la sécurité pour faire feu lorsque le canon est pointé dans une direction sécuritaire. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y avait une bébelle qui dépassait de son canon, un peu noire. Et là, je me suis dit, ah, ce Mathieu-là, il y a des connaissances que les chasseurs d'expérience n'ont peut-être pas. Il a modifié l'étranglement de son fusil. Il y a des, des étranglements spécialisés. Il y a des compagnies aux États-Unis, surtout, qui ne sont spécialisées qu'à faire des étranglements qui viennent visser sur les canons de vos fusils de chasse. J'ai emmené mon fusil de chasse aux oiseaux migrateurs par comparaison. C'est un fusil semi-automatique, ce qu'il y a de plus standard pour le sauvaginier moderne. Et lors de l'achat de ce fusil-là, il venait des petits tubes métalliques. Interchangeables. Donc, ce sont des étranglements que je vais venir visser à l'intérieur de mon canon selon le type de munition que je vais utiliser, parce que je vais avoir des étranglements pour de la grenaille de plomb. Oui. Et je vais avoir des étranglements pour de la grenaille non toxique, principalement de l'acier. Oui. Donc ici, déjà, l'étranglement est en fonction du type de bille que tu vas tirer. Et également, les étranglements sont en fonction de, justement, tu veux une gerbe de grenaille plus dense ou plus ouverte. Et c'est pour ça qu'avec l'achat du fusil, on va te donner un full choke, un étranglement complet. Autant qu'à l'opposé, un genre d'étranglement cylindrique pour, les tirs à courte distance ou le pigeon d'argile. Pigeon d'argile, le bécassine aussi. Exact. D'où l'importance d'aller pratiquer avec son fusil. Oui. J'en entends des fois qui dit « Je ne mettrai pas mon étranglement, je vais avoir mon canon vraiment parfait pour un type de chasse X. » Mais si on enlève l'étranglement, les filets qui servent à visser l'étranglement vont brisé. Donc, ça ne reviendra plus jamais qu'on puisse mettre un étranglement sur notre fusil. Ou l'autre cas des gens qui ont mis un étranglement là lors de l'achat du fusil. Ils ont pris la clé vendue avec le fusil, ils ont serré ça à mort. Et qu'après ça, ils viennent cogner à ta porte en disant « Je suis plus capable de le dévisser, il est comme cuit là, il a soudé là, à force de la chaleur et des pressions, des coups de feu. » Donc, petit lubrifiant à l'intérieur de l'étranglement, on revisse ça en place.
Sylvain, moi, je regarde ça, là, puis je vois tes trois étranglements, qu'il n'y a rien de marqué dessus. Il n'y a rien de marqué dessus. Comment je fais pour m'en sortir, Vincent? Moi, il y a des belles petites marques qu'on peut voir qu'il y a une différence, puis l'épaisseur de l'étranglement. L'épaisseur de l'étranglement. On a un très épais ici, qui est probablement l'étranglement le plus refermé, et on a ici un étranglement qui est très, très mince, et il y a cinq petites encoches qui ont été faites ou fabriquées par la compagnie qui a fait l'étranglement pour que visuellement, on puisse se reconnaître. Ouais. Sur le principe que plus que de petites coches, plus que mon étranglement va être ouvert, et moins que je vais avoir de petites marques, plus que mon étranglement va être serré. Mais, sais-tu, et j'arrive au nœud de mon propos, j'ai été déçu des performances de mon fusil avec les étranglements venant de compagnie. Ouais, et c'est des, on va les appeler des étranglements plus universels. Okay. Lorsqu'on veut de quoi de spécialiser, le dindon sauvage, comme Mathieu avait, probablement la marque Pattern Master. Pattern Master. Qui sont faites vraiment pour la sauvagine, oui. Qui sont faites pour le dindon sauvage, retenir la bourre plus longtemps dans notre étranglement pour avoir une gerbe de plomb plus serrée à longue distance. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Avec les étranglements de compagnie, j'ai tiré sur une feuille de papier pour voir l'étranglement de ma gerbe et la bourre a comme perforé mon papier. Et avec un étranglement de compagnie spécialisée, tu as nommé Pattern Master, ça peut être un Carlson, ça peut être d'autres types, eh bien, la bourre était retenue dans le canon et c'est seulement la gerbe qui frappait le papier. Donc, conclusion, informez-vous, peut-être qu'un étranglement spécialisé va bien faire sur votre fusil pour un meilleur succès de chasse, un succès comme celui de Mathieu. Merci Vincent. Semaine après semaine, je ne m'habitue jamais à ce moment triste de l'émission que je dois vous annoncer que c'est terminé. Eh bien oui, on remercie bien sûr Mathieu Dancause et sa superbe chasse à l'Oie des Neiges. Merci beaucoup à Vincent Cloutier qui est venu nous parler évidemment de produits de pêche. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine pour un autre à l'affût.